vas-tu? J'espère que cette vidéo vous trouvera en forme. Je suis aujourd'hui au Comic Con Tunisia, donc la première édition qui a été un grand événement pour le gaming. Et à ma grande surprise, je suis au stand de Aero Robotics. Donc je suis avec le community manager. Donc aujourd'hui, on va parler un peu plus anglais. Donc on ne va pas parler en français. Donc n'hésitez pas, je vais lui poser certaines questions pour comprendre un peu ce qu'ils font dans l'Aero Robotics. Hello. How are you? Good to see you. Yeah. Welcome to our stand. Okay, thank you. So I'm here for Umaima, is the name. Yeah. Umaima is the community manager of Aero Robotics. My name is Umaima. I'm the community manager of the club Aero Robotics itself. Our club's activity is based around robotics and aeronautics at the same time. We do several workshops and certified trainings during the year. And we set few projects to do all day round, and we basically divide the members into teams, into different teams, and each team would handle a project at their own pace and with the help of our staff. And we have an aeronautics event at the end of the year. It's called Aero Day. Aero Day, I was there. Yeah, it's the national day of aeronautics. It's organized by our club. For this presentation, can you introduce yourself and your job in this? Yes, sure. Okay, so my job at this club is the community manager. My work is basically keeping the members of the club updated and keeping our audience always updated with our projects, any competitions we go to, any events we organize. And so I try to keep the Facebook page active via Instagram, via YouTube, all social media. And that's it. That's basically so. My first question is, what is the difficulty for this job? As a community manager for Aero Robotics, you have a lot of activities. What is the difficulty? Actually, the difficulty is that we have a lot of audience at our Facebook page. We have 3,200. Ah, nice. Yeah. Congratulations. And so it's kind of a responsibility whenever you share something, photo, video, or an event. You kind of have to keep the standard high and try to keep everyone pleased and try to deliver the message correctly. And so, it's a good responsibility. Yeah. It's a good experience. Yeah. You like your job. Yeah, I like it's really my job. Nice. Yeah. I'm into photography and social media, so it's convenient for me. Digital marketing can help us a lot because sometimes we need fundings for our projects and we need sponsors, and so I guess it can help us a lot with that field. Especially that all of our projects are done by our members and we kind of buy everything on our budgets, and we mainly rely on sponsoring and people's fundings, and so it can help us a lot. Okay, you talk about the good event Aero Day, Tunisia Aero Day. Can you explain the concept? The event that we organize each year in May is called Aero Day. It's the National Day of Aeronautics. It's a day dedicated to the field of aeronautics because it can help a lot of Tunisians in this situation nowadays. And it's not a field that is commonly introduced in Tunisia. And so we try to make it more accessible to people at every
or the young people who... There are a lot of people who have amazing work, but sadly it's not very known in Tunisia because this field is kind of, it's a little bit restricted and at the same time it's not well developed and it's not well supported and so... Okay, good. Thank you very much for this interview. Thank you for all of keep going and good jobs. Yeah. Congratulations and good luck. Thank you so much. Donc, je suis ici avec leur chef de projet qui va nous parler un peu des projets qu'ils ont amenés ici. Alors, bonjour. Salut. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui nous suivent? Salut, je suis Adi Tabouti, je suis le président du club aérobotique 7-7. On est venu aussi pour participer à l'événement Comic-Con Tunis 2016. Ok. Comment ça a été l'événement? Quels sont les projets que vous avez amenés ici? L'événement, je pense qu'il est extraordinaire. Aujourd'hui, on a apporté 4 de nos projets. 2 drones, une valise intelligente et un LED globe, un projet qui s'appelle LED globe. Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces différents projets? Des ellipses. Ils sont composés de 4 moteurs. Ouais. On a utilisé des moteurs pas à pas. Les brushless. Ce moteur sont balais. Okay. Un châssis. Le châssis a été, la conception du châssis a été faite par une équipe du club. On a aussi utilisé une carte Arduino pour la commande. Et on a utilisé une batterie LiPo pour l'alimentation. Ok. Maintenant, quel est le rôle de ce drone-là? C'est juste pour le plaisir ou bien comment? Le drone peut être utilisé pour prendre des photos, pour le plaisir aussi. Voilà. Donc c'est un peu ça, la balise intelligente, ça m'intéresse. Quel est l'objectif de ce projet-là? La balise intelligente. Parce que j'avais vu ça lors de votre événement à EuroD. La valise intelligente est en cours de développement et d'optimisation. Elle est faite par une équipe aussi de notre club. La valise intelligente permet de suivre son propriétaire grâce à un module Bluetooth qui peut être connecté au téléphone du propriétaire de cette valise. Et donc c'est une valise qui va permettre de mettre les éléments dedans. Elle peut être fermée ou ouverte par un capteur d'empreinte digitale. Et elle permet aussi à son propriétaire de charger son téléphone grâce à un powerbank. Okay, super, donc c'est une belle idée. Elle est en cours de développement. Mais vous avez amélioré. C'est un prototype maintenant. Okay. On va l'améliorer. Okay. Chaque année, on vise plusieurs projets à l'échelle nationale et aussi à l'échelle internationale. Il y a plusieurs compétitions en Tunisie qu'on les vise. Il y a premièrement Tunirobots. Dans Tunirobots, il y a un challenge qui est un tournoi qualificatif à l'Eurobot. Ah, okay. On a gagné 6 fois sur 7. Wow. Félicitations. Merci beaucoup. On a gagné 6 fois sur 7 le concours qualificatif à l'Eurobot. Au mois de juin, dernier, on était à Paris. En France. Ouais, à Paris. J'ai vu la photo. Voilà. On était classé premier par rapport aux Arabes. Des équipes tunisiennes. Okay. Donc on peut dire un peu que l'objectif du club c'est de participer à des concours et de gagner des concours avec ce projet. C'est vrai, mais on a aussi des projets qui sont orientés vers l'exposition. Inch'Allah, cette année on vise les Expo Science International qui va se dérouler au Brésil. Au chef de projet, donc il nous a présenté des projets. Donc merci, je vous suis de près. Si la tique sort, on fait ça. Merci. Merci beaucoup, vous êtes bienvenue. Merci beaucoup.